Là, salut à tous et à toutes, je suis Arcalo59. Je me trouve aujourd'hui sur Kranix Gaming, sur Mortal Kombat X. On est jeudi, et jeudi c'est mon jour. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale que je vais vous faire. Parce que on va faire un entraînement au Fatality. Je vais vous emmener dans la crypte. Je vais vous montrer ce que c'est que la crypte dans Mortal Kombat. Et ensuite, on va créer deux entraînements fatales. Puis on n'a pas encore eu. Ok, on n'avait pas encore eu Shinnok. Non, ouais. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça va très bien. Je suis en vacances. C'est bientôt terminé. Du bien quand même les vacances. Oh là là. Allez. Finish him. Alors. Oh. Ah. Shinnok wins fatality. Eh ben. Ta tête mon petit gars. C'est pas c'est très bizarre. Donc on va aller dans la crypte. Donc voilà, c'est quoi la crypte? Donc en fait la crypte, si vous voulez, c'est là où on va trouver tout plein de trucs. Donc on a de l'argent et on achète des trucs. C'est un peu comme une boutique où on peut avoir des fatalities, on peut avoir des habits pour les personnages, des genres de trucs comme ça. J'avoue que c'est assez flippant. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà pris des trucs, mais il y a encore beaucoup de trucs parce que... Donc voilà. Donc allons dans la crypte. On va aller là. Ah. Donc, je suis désolé pour mardi, pas la vidéo de mardi là, mais mardi dernier, celle d'avant, qui n'a pas été mise. Wow! Putain! Oh non, il s'est envolé. Qui n'a pas été mise mardi parce que Blaze. Ouais, ce n'était pas là. Et comme il n'était pas là, ben normalement d'habitude c'est lui qui met les vidéos. Parce que moi. Doué comme je suis, je ne sais pas mettre l'introduction, on va aller gatada. Donc du coup c'est Blaze, ça fait peur. C'est... Ah. C'est putain de merde, c'est pas Blaze. C'est Waze qui met les vidéos. Voilà, là on a Ren Kitan, donc vous avez dévoué. Je sais pas, ça doit être un déguisement. Ouais, c'est un costume. C'est pas mal. Après faut gagner de l'argent en faisant des combats quoi. Chaque le cogneur, bah voilà, ça c'est un fatality. On pourra faire. Donc oui, je disais Alors, on a quoi ici? Croquis. Donc ça c'est un croquis. Je vois pas à quoi ça me sert, mais bon. Brutality. Ici on a le repère, donc ça c'est un croquis. Ça c'est un fatality. C'est qui ça alors? Ah oui, lui. Alors, bon, on va tout dépenser, hein, Brutality. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça. Je vais vous faire que des Fatality ou... Je vais pas faire de petits combats aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la crypte où on achète des trucs. Donc voilà. Mais je vous avouerai que oui, c'est assez flippant des fois. Mais voilà.
Moi qui avais dit oui, c'est une petite vidéo où on se trouve, où on sera un peu calme. Ah non, t'as des trucs qui te sautent à la gueule. Tu trouves ça normal, toi? Merde. Hein. Pour aller où ça? Allez, on retourne à la forêt macabre. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc Waze n'a pas pu mettre la vidéo parce qu'il n'était pas chez lui. Bah, comme c'est les vacances, c'est un peu compliqué aussi, je le comprends. Regardez, moi, le week-end dernier, je suis parti à Paris. J'ai dû me débrouiller pour faire les vidéos, quoi. Donc là, on a Brutality. Mais ouais, j'ai dû me débrouiller du mieux que je peux. Pour savoir faire les vidéos, parce que sinon c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. Wow! Attends, on n'avait pas assez de pièces, mais il y avait un truc là. Il y avait un truc. Ah, bref, voilà. Tout ça pour avoir ouvert une grille. C'est parfait. C'est magnifique. Donc alors. Voilà, on va par là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, en fait, oui. J'avais dit que j'allais vous faire sur Mortal Kombat les. Les histoires. Donc, si vous. Merde, pas cette pièce. Si vous voulez. Comment dire? Comment vous expliquer ça normalement? Oui, donc faut dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse l'histoire de Mortal Kombat. Ça me dérange pas, hein, parce que moi je le fais pour vous. C'est pas moi, c'est pas pro. C'est qui ça? Enfin bref, c'est pas mon. Vous voulez que je le fasse pour vous? Dites-le moi, y a pas de problème. Loin de là, c'est que ça. Oh, d'accord. Pas du tout de problème. Et après, si vous préférez, par exemple, que je vous fasse du GTA, ou parce que le jeudi, je vous fais un peu de tout, hein. Ou du Watch Dog, ou du Call of Duty Ghost, ou Advanced Warfare, FIFA, ça j'aime un peu moins, ou du Assassin's Creed, Syndicate ou Black. Merde! Bon allez, on se casse. Oh putain! Ah non, hein. Je suis pas d'accord. Hein. Bon allez, je vais vous faire deux fatalities. On se quittera sur ces deux fatalities, mes amis. Truc qui te saute à la gueule maintenant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, tu verras, la crypte c'est trop bien, c'est calme et tout. Non plus. Putain. Jason Voorhees. Oh, Jason, tu vas morfler. Truc flippant, je commence à en avoir marre. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Alors. Oh. Oh putain, c'est quoi ça? Oh non. Bon voilà les amis. Donc sur ce, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner à la chaîne Kranix, hein. Comme d'habitude. Ça fait être plus. Puis voilà. Allez, on se quitte sur ce fatality. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve lundi sur Until Dawn, épisode 11 ou 10, je crois. Ouais, 10. Ça passe vite. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous bien.
Lena wins. Fatality. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est VVase et on se retrouve pour la suite des vidéos sur qu'est-ce que tu croyais Infamous Second Son. Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache. Cette semaine j'ai pas mis de vidéo parce que j'étais en vacances. Excusez-moi si vous avez entendu la première vidéo. Alors ça veut dire que tout le monde... On est des Akomish. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Il est arrivé au moment où... Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Où il arrive... Tout ce qui compte. On avait fait le choix... C'est que je suis l'un d'entre eux maintenant. De sauver notre tribu pour... L'un d'entre eux. Dénoncer. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon. Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Hé... Ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabat-joie... Je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose... pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Et ne t'inquiète pas, je vais m'en remettre. Vraiment. Tu verras. En fait, ce moment-là, c'est le moment le plus décisif de l'histoire, quand même. C'est le moment qui donne... qui donne... pas comment dire qu'est-ce qu'il va faire pendant l'aventure. Ce oh merde, bien, c'est qu'il fait des choix bien ou mal. C'est bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes. Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie. Bon, je crois qu'il y aura beaucoup de cinématiques. Je crois que la cinématique va durer beaucoup de temps de la vidéo. Avec tes mains. Ça a disparu ou pas? J'en sais rien, Reg. Je vais essayer de faire un gameplay. Et dire qu'on avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Je vais essayer. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Hé, Delsin, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? Ouais. Mais si t'es Augustine, il dit que tous les gens pouvoir avec le béton, là. Sa tribu, même que Delsin essaie dénoncé, sa tribu, elle est... Eh, elle peut, ils sont mourants. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. À cause de la, de la meuf, là, la vieille bite. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Ils ont du... Arrête, Dieu, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie, se rétablir. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delsin, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... qu'on n'a même pas besoin d'Augustine. Juste de son pouvoir. Ouais, c'est là le moment où... Où il se rend compte qu'il va aller voir Augustine pour prendre son pouvoir, pour rétablir Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié sa tribu. Si j'ai la fumée, qui pourquoi j'aurais pas blessé, même mourant. Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Bien, je t'expliquerai dans le pick-up. Un gentil. Quel pick-up? Ou un méchant. T'as pas de pick-up? Moi je fais... Ah, mon pick-up. Je fais au dé... Moi ça dépend de quel chose ça fait si j'ai... Ça dépend si j'aime bien le show ou pas. On va faire un outsider, écoute, pour le bien et le mal. Okay. Bon, ça, c'est bien. On descend en ville, après ça on fait le plan de pouvoir au buté à volonté là, du porteur. C'est chiant, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. C'est vrai qu'il y a et on peut rentrer à la maison sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descende.
tu veux dire? Je veux dire qu'il y a 500 000 de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Non mais je suis pas comme ces types, compris? Oh, ok. Mon but c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la okay. Superman. Ouais. Soigner des gens. Hey, le héros, tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds? Réveille-toi. Allez, il y a de l'action, là. Le truc qui est... Écoute, le plus agréable dans le jeu, c'est que tu ne okay. peux pas dépasser les cinématiques. On va tout arranger. Regardez, je m'en pose, je peux pas... On va te soigner. Me soigner? Je peux pas faire repartir si... C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés. Oh! Oh. Bon. Alors, il nous reste combien de minutes de jeu? On dirait qu'on va continuer à pied. À pied? Hein? Il nous reste... Où est-ce que tu vas? 7 minutes de jeu. Merde. Allez, faut que ça commence. Allez. Sans bon, déconner. Enfin. Regarde un peu en ça. En plus, je ne pas courir. Tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Aujourd'hui. Tu rigoles. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Allez, enfin, tu peux courir. Alors, marcher jusqu'à Seattle. Ok. Ouais, on dirait que c'est là que ça se passe. Alors là, il va être sur le pouvoir. Le nouveau pouvoir. Ok, en fait, ma manette, on dirait que ma manette a absorbé le pouvoir du truc. Putain, bon, Delsine! Hey, est-ce que ça va? Des barges? Ça va plus que bien, ouais? Alors, je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Parce que ce nouveau pouvoir. Allez, un tueur fumé, général, là, je tire sur le drone. Là. Ouais! Ah merde! C'est nouveau! Je tire comme une merde. J'ai pas l'habitude à laquelle je tire. Ah ouais! C'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delsine, c'est tout sauf mieux, ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà. Pas d'en rajouter. Quoi, tu crois qu'Augustine nous attend sagement sans rien faire? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la reine de béton. Hé, j'espère bien éviter ça, figure-toi. Écoute, il y a peut-être un autre moyen pour choper Augustine. Quel autre moyen, hein? Quel autre moyen? Écoute-moi, j'ai quelques bons contacts à Seattle, tu vois. Et j'en ai même certains dans la... Non, c'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. Quoi? Mais c'est pas un problème qui te concerne. C'est mon problème. Vous m'entendez? Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un? Va sauver la demoiselle en détresse. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Ok, d'accord. On y va tous les deux. Non. Va donc jouer au Super Flick, tu veux? T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas d'ici. Et je t'en supplie, surtout, ne touche à rien! Je compte bien toucher à tout. À tout. Ah ouais. À toi l'honneur, petit. Ah, ok, je vais faire quoi? Ouais, c'est mignon. Mais on va les faire frire. Tu vas prendre le pouvoir. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que tu dois prendre carrément ta manette, l'écran tactile de ta manette. Ça, c'est bien. Et je tire sur cette saloperie, allez, j'essaie de tirer bien. Eh, hey, j'avais pas fini avec ça. Oh putain, c'est où la fumée? Il suffit peut-être que je fasse le plein de fumée. Ah, peut-être. Ah, on va la fumée. Tu es prêt? Ok. Alors, c'est où l'énergie? Alors... Non. Ah ouais, ça doit le faire. Quand on sera en ville, je vais devoir faire gaffe à ces bestioles. Il y en a peut-être d'autres. On est à la moitié. On peut pas revenir. Ok. Ah, faut que je tire sur les drones. Ok. Sur le drone. Hop. Oh putain. Ah, c'est nul. C'est nul. Hop, je suis nul. Ah bah enfin. Enfin, je peux prendre le truc. Allez, je peux prendre le dernier. Et me repayer une séance. En fait, dans les drones, tu as des pouvoirs. Eh hey, vieux, tu croiras allez, jamais d'où venait le bip. Ramène plutôt tes fesses, ok? J'ai trouvé un bus plein de bénévoles, il est coincé. J'aimerais les convaincre de laisser tomber le bus, mais ils veulent pas abandonner le matos médical qui est à bord.
Bon, dis-leur de s'accrocher. J'ai décoincé le bus. Delsin, je sais à quoi tu penses, et c'est non. Eh, hey, je viens de descendre une flotte de quadcoptères. Allez. C'est pas un bus qui va me faire peur. C'est bientôt la fin de notre vidéo aussi. Alors, que je dois faire détruire les barrières de béton. Ok, encore 3 minutes pour détruire les barrières de béton. Bon, ça devrait aller. Ça va prendre des plombes. Il y a sûrement un moyen plus rapide. Alors, option, allez. Explosion de cendres, ok. Là, je suis bien obligé de l'activer. Ah, R2, ok. Rien ne peut plus m'arrêter! Delsin, je t'ai dit de ne pas... Ah, désolé, Reg, je t'entends pas. Je suis un héros très bruyant. C'est bon, là, il faut passer. Delsin, je ne veux... Oups, ça a coupé. Ces petits boutons et mes gros doigts. Alors... Bon, ok, on dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer ce truc dans Seattle. Bon, là, c'est bon. Alors, ça va être bientôt la fin de notre vidéo. Parce que, comme les cinématiques ils prennent à plomb, j'ai fait 2 minutes de gameplay et au moins 10 minutes de cinématique. Allez, Reggie, ouvre, on y va. Oh, dites-moi que je rêve. Allô ? Delsin, on a un problème. Il y a des gens dans le bus qui t'ont vu utiliser tes super-pouvoirs pour dégager la route. Et ils ont peur de toi. Quoi? Écoute, je t'avais prévenu, les bioterroristes ne sont... pas vraiment populaires. Alors quoi, j'ai une grosse appart maintenant? Ils veulent quoi, que j'aille m'asseoir à l'arrière du bus? Non, ils veulent que tu restes à l'extérieur. En fait, le gars, il les sauve, et en fait, les gens sont quand même peur. Ils veulent pas de toi, pigé. Bon, ils ont dit que si tu montais, ils descendraient. Moi, je m'en fous, ils comptent à marcher. Tu crois peut-être que cette porte peut m'arrêter? Je t'interdis voilà, que de faire ça. Je casse tout de suite, hein. Ces gens n'avaient encore jamais vu un truc pareil, ils ont peur, compris? Alors je peux pas leur en vouloir. Excuse le gosse père, Antoine. Il a dit qu'il allait défoncer la porte, démarrer. Monsieur, je vous demande juste une seconde. Bon, je vais leur faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foulée, d'accord? Il y en a pour 5 minutes. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. 5 minutes. Bon, encore une minute de jeu. Et après, allume le suivi GPS sur ton téléphone, juste au cas où on soit séparés. Bon, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je m'excuse pour l'attente de la vidéo que j'avais pas postée la semaine dernière. Votre attention. J'espère que vous aurez bien aimé. La mise en service du pont 520 par ordre du DUP est maintenant imminente. Toutes les personnes, tous les véhicules. Ouais, c'est une info qui peut servir. Delsin, j'ai fait traverser les bénévoles. Le DUP. Nettoyer le pont. On va venir te chercher alors. Reggie, t'es là? Qu'est-ce qui se passe là? Allez, mon fils, je me grouille. Encore une minute d'action. Allez. Bon, on verra la cinématique la semaine prochaine. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Merde! Un bioterroriste! Hey, y'a un de ces monstres juste là! Non, 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 non! À la prochaine, tout le monde!